Eh bien, le bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Amnésia. Comment allez-vous? Pour ma part, ça va super. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est pas une vidéo et il n'y aura pas de farm, pas d'astuces comme pas de PVP, rien. C'est juste en fait pour avoir une vidéo à répondre au nombre de commentaires. Vous êtes vraiment beaucoup à me demander les stuffs d'écran, le prix d'écran, un peu comment ça fonctionne. Alors, pour certains, ça ne les intéresse pas plus que ça, mais croyez-moi, au nombre de commentaires. Je ferai une vidéo, c'est comme ça au moins, j'aurai quelque chose à répondre à ces commentaires. Voilà, avant de commencer, les frérots, on s'abonne, hein. C'est plus normal nos jours de voir autant de pourcentage non abonnés, alors maintenant on y voit les frérots, hein. Venez nous rejoindre. Alors, à savoir, sur le stuff de la team, on a la même panneau sur tout le monde, quasiment quelques trucs près, mais vous allez voir que ça coûte pas très cher. Je vais le faire dans l'ordre d'initiative, ça sera plus clair. Premier personnage à jouer, on a les Nitrof, bien évidemment, ça me paraît logique. La panneau que j'ai mis là, c'est une panneau R. Alors, le plus important, c'est pas la DD, c'est l'initiative. Sur les nus, vous n'êtes pas obligé de le mettre R, c'est une panneau qui donne un peu de déni, en plus avec la DD, etc. Plus les trophées, on s'en sort vraiment bien, on a 4000 déni. Alors, pourquoi je l'ai mis R et pas ou Sagesse ou autre chose? C'est simplement pour finir un monstre au début de tour 2, quand ça peut arriver qu'au début de tour 2 il reste des monstres, ceux qui ont des restes, ceux qui ont mal été placés pour la fulminante. Bref, ça peut arriver à un monstre aussi qu'on a besoin de debuff, par exemple au lac de Frigost, il y a les fous manceaux qu'on doit debuff afin de le tuer au tour 2. Donc voilà, c'est tout simplement pour ça que j'ai mis ce faire, c'est le stuff qui rock le plus, mais. Faites à votre guise. Si vous voulez mettre un stuff feu, mettez un stuff feu. Si vous voulez mettre un stuff full PP, mettez un stuff full PP. Le plus important, c'est la prospection ici, les amis. Je sais plus si je l'ai dit, mais cette Dragodin ici est très importante. Elle est présente sur tous les persos, simplement pour le nid moyen de groupe, sans avoir à sacrifier trop de place dans les Dofus. Dans les trophées, ou dans le stuff, ou autre. Deuxième personnage, ça sera bien évidemment notre. Mince, c'est pas ça que je voulais ouvrir. Notre SRAM. Alors, moi je l'ai mis un peu n'importe comment, un peu de PP, l'initiative, et encore ça je peux mettre autre chose, hein. Il n'y a aucun souci. C'est comme vous voulez, tout ce qu'il faut, c'est qu'il joue en deuxième. Donc, moi je l'ai mis feu, c'est en fait c'est le même stuff à quelques trucs près. Ouais, non, en fait c'est le même stuff que le reste de ma team, mis à part l'anneau. Parce que je crois que j'en avais pas un deuxième, tout simplement, mais mis à part l'anneau, c'est le même stuff que tous mes crocs. Mais on y reviendra dessus. Le SRAM, vous le mettez comme vous voulez, comme d'habitude, la Dragonan. Vous mettez comme vous voulez, le plus important c'est que ce soit en deuxième pour bien évidemment poser la brume. Le troisième croc, alors c'est celui qui coûte beaucoup beaucoup plus cher, mais de mon avis vous pouvez faire autrement. Encore une fois, les trophées initiatives c'est juste pour moi ajuster, je vais la poser ici, mon uni par rapport aux autres persos, vous voyez. Donc ce croc là, il joue en quatrième d'habitude, j'ai oublié de vous dire. Normalement c'est un autre croc qui joue avant afin de pouvoir passer les mobs pour la fulminante. C'est lui qui va taper le plus fort la fulminante, vous allez le voir après. Enfin quoi que sur un poutre c'est pas représentatif parce qu'une fulminante il faut des entités. Mais on verra déjà comme ça comment ça se passe. Donc ce stuff là c'est un stuff feu, tout classique. Moi c'est un stuff que j'utilise pour le PvP, un double anoreuse, un 4 feuilles. Bon les Dofus c'est du full rock, c'est un nébuleux. La Dragolan, toujours et encore. Le bot de l'innommable. Bon, je suis en double séculaire. Maintenant, je pense que c'est un peu dépassé, mais moi, ça me convient. Hein. Je vais pas m'amuser à acheter une jarache ou autre. Ah non, d'ailleurs, j'ai une Durandin. Mais je vais pas m'amuser à acheter, je sais pas, une Crôture ici, une Omoplate, quoi que je pourrais pour le PP. Mais ce stuff-là, en fait, à vrai dire, j'ai l'habitude de jouer avec, je joue avec. Point final. Il n'y a pas trop de trucs à savoir de plus. À savoir que vous pouvez faire plus ou moins le même stuff si vous voulez ou non. Et mettre des over dommage distance. Moi j'ai beaucoup de raise parce que comme je vous le disais, c'est un stuff PVP de base, à part l'arc corrompu parce que l'arc de chasse, il est en arme de chasse, pardon. J'ai un deuxième arc corrompu qui est sur mon autre perso, lui est FM. Enfin voilà pour le stuff du rocks principal, on va dire. C'est lui avec la fulminante qui va éclater les mobs, tout simplement. Vous voyez, on a les Célivoires, on a tout laissé de côté, même le Vulbis, je le mets pas, il n'y en a pas besoin. Le 11-5, il y en a largement assez. Après, si vous avez les moyens, vous pouvez mettre la Pritec qui donne des PA. Elle n'est pas sur ce perso. Mais vous pouvez mettre la Pritec qui donne des PA, il n'y a aucun problème avec ça. Ensuite, ce qui me paraît le plus important pour vous, en général, ça va surtout être le stuff des crocs, qui sont ouais, les crocs annexes, on va dire. Donc ce stuff-là, je l'ai sur tous les autres persos. Pour résumer, je l'ai sur le SRAM.
5 de Mecra et Pando. Mais le Pando, il n'a aucun rôle dans la team, c'est juste parce que j'ai la flemme de me refaire un autre croc. Je vais le faire, hein, mais là, pour le moment, bon, moi, je reste tous les monstres du jeu avec cette team. Donc pour le moment, je verrai ça plus tard, on verra bien. Bref, on est en double Minotaur, ça ne coûte rien les amis. Je vous mettrai à l'écran le calcul un peu du prix en HDV, etc. Mais ce flan ne coûte rien. Deux trucs Minotaur, à tout ça on en a pour 1 million. La cape du professeur Oxa. Le masque voodoo arc, alors là c'est vraiment ridicule, ça frotte le ridicule. L'anotami qui est largement remplaçable, c'est un confort en plus, mais si vous n'êtes pas 200, vous êtes même... Et encore qu'il n'est pas 200, donc je retire ce que j'ai dit, il est largement remplaçable et il coûte rien. L'anotique, c'est l'anotique qui est largement remplaçable, par contre il est niveau 200, mais si vous avez un anneau feu qui donne PO, je sais pas si le Shenmue donne de la PO, mais avec les nouvelles panneaux pendant l'heure, j'ai pas encore regardé, vous pouvez largement le remplacer, il n'y a aucun problème si vous n'êtes pas 200. Et les tongs du Nidas, c'est pareil, il n'y a aucun problème si vous n'êtes pas 200, je les ai pris encore une fois pour la PO, ces deux items là sont là pour la PO, hein. Ce qui donne que 50 attels les tongs. Et l'anneau, 50 attels aussi, vous voyez que c'est pas, je ne l'ai pas pris pour le Rox, hein. Je les ai pris, c'est surtout pour la prospection, d'ailleurs je vais vous préciser, oui, sur ces items, j'ai pas cherché le Rox, enfin, bien évidemment qu'on a cherché un minimum de Rox quand même, mais surtout la PP, ici on en a 20, 25, d'ici 20 de souvenirs, oui, 20, 20, 25, bon ici il n'y en a pas sur le tamis, mais vous pouvez mettre autre chose, vous mettre un tamis, il faut aussi un petit peu Rox, bien évidemment, et 24 ici, d'ailleurs je l'ai mal FM, j'aurais dû monter à 25, mais c'est pas grave, un 4 feuilles ou un bouclier Erdalo comme j'ai sur certains de mes persos. Un cadran d'air, pardon. Un cadran d'air, ça fonctionne très bien. Il est au gaz aussi, le 4 feu, parce que je l'ai en rab, il est là, mais ça fonctionne très bien avec un cadran d'air. Ne vous en faites pas, ça coûte beaucoup moins cher un cadran d'air, d'ailleurs. La baguette des limbes en arme de chasse, évidemment. La baguette des limbes, c'est un classique. POPM, bon, le PM, on s'en fout, mais POPO, un petit peu d'intel. Et l'arme de chasse, c'est vraiment classique, ça ne coûte que dalle. Vous voyez le prix estimé de 250 000. Les trophées. Je vous les passe, hein, ils sont là, de toute façon c'est full trophée Intel avec un trophée initiative. Encore une fois pour une initiative moyenne sur les monstres, afin de commencer avant tous les monstres tout simplement. Le remueur pour le PA. Si vous avez les sous pour le prix tech, enfin c'est pas un prix tech, c'est un prisme aradite qui donne PA, très bien mettez-le, sinon un calyptus c'est bien, ou enfin c'est assez modulable ce stuff, hein, vous l'avez compris, c'est vous qui le souhaitez. Voilà, sur les stuff, après je vous les remonte pas, c'est tous partout pareil, lui, bon lui il y a une petite particularité, j'ai besoin de sa dinde en fait, hein. Mais sinon il y aurait la même dinde que les autres, là c'est une dinde différente, mais il y aurait eu la même dinde que les autres, d'ailleurs faut que je prenne la fin de son bouclier, je vois pourquoi il y a ça, voilà, mon petit cadran d'air, c'est un classique, le 12 PA, pourquoi sur ce perso là, c'est car c'est le perso qui capture, comme ça ça me laisse quand même 11 PA, donc un tir éloigné sur la team complète. La capture, il nous restera 5 PO, ça permet de faire une balise, comment ça s'appelle, une balise, flèche de concentration, enfin des choses comme ça, vous voyez. Par contre, lui, est-ce que j'aimerais bien pouvoir le repasser sur la deuxième position, histoire d'être dans le concret. Voilà, très bien, comme ça on est dans le concret. Pourquoi j'ai perdu ma lab? Ok, bon, allez savoir, c'est pas grave. Voilà tout, c'est très bien, donc... oui, je vous ai affiché de toute façon les prix des items pour un stuff. Au pire, je le mets maintenant, je verrai ça au montage, aucun problème là-dessus. Enfin, on va terminer par la dernière phase, voir un peu sur un putsch. Comme je vous disais, c'est pas trop représentatif parce que la flèche fulminante a besoin de beaucoup d'entités pour faire énormément de dégâts. Là, on en aura une seule entité, mais à la fois, il n'y a pas de résistance. Donc, quelque part, ça s'équilibre. Je vais juste vérifier la map, enfin, essayer de faire un setup de map. Comme sur un combat, je vous fais un petit cut comme ça j'ai le temps de rentrer tous les personnages, etc. Et on se retrouve. Voilà, les amis, on a une map qui ressemble plus ou moins à quelque chose. Bon, il y a le bloc ici qui fait chier, mais on s'en fout, c'est un putsch. J'ai pris le plus gros putsch exprès parce que celui de 10 000, je pense l'OS. Je pense, je dis bien, je suis pas sûr, mais je pense l'OS. On va voir. Donc, le tour classique, comme ça pour ceux qui ne le savent pas, ils le savent d'ores et déjà, même si encore une fois, ceux qui suivent mes vidéos le savent comment je fonctionne, un retrait avarice sur tout le monde, décadence, ni plus ni moins, voilà, le SRAM, comme d'habitude, on fait ça, il n'y a rien de trop à faire, on peut mettre un piège à frac quand il y a des monstres, sinon on ne met pas, c'est pas gênant. Le petit tir éloigné sur ce croc, on connaît, ici je vais pas le faire, il n'y a pas besoin, sur certaines maps on n'en a pas besoin, parfois on en a besoin, pas ici. Et on va pouvoir commencer à taper tout simplement. Vous voyez que c'est du 700, 700, ça fait déjà 1200. Si j'avais la Pritech, enfin encore une fois je dis la Pritech, mais excusez-moi j'ai oublié le nom, le Prision, je sais plus.
Je pourrais même remettre une flèche explosive s'il y avait d'autres monstres. Ici, il n'y en a pas. Encore une fois, c'est pareil, on va être bridé là-dessus. C'est qu'il n'y a pas d'autres monstres, donc les dégâts seront quand même réduits comparé à ce qui se passe réellement. Ce crâne-là, la fumée, vous voyez déjà la fumée à 1300 alors que... Bah, alors qu'il n'y a pas d'entité, tout simplement. La flèche de je perds mes mots, la flèche écrasante à 1300 elle aussi. Encore une fois, j'ai pas les trophées, moi j'en ressens pas le besoin du tout. Mais vous rajoutez une flèche paralysante qui va taper du 1500 aussi. LOL Pouch au stade du deuxième cra, il est déjà à 4000, vous comptez 4400 de vie. Hein. Faut aller 4440. Ouais, enfin vous avez compris, vous enlevez 1500 PV quoi en gros. Bon, malheureusement ici je vais pas pouvoir faire grand chose, hein. Tout simplement j'ai pas les trophées, j'ai pas envie de les acheter, tout simplement, parce que ça me sert absolument à rien. En tout cas pour le moment. Bref, trêve de blabla, on retourne ici. Hop. Et sans oublier vraiment que je vais perdre une flèche explosive à chaque fois parce que j'ai pas d'autre entité, hein, tout simplement. Sinon, les dégâts, bah, c'est quasiment du x2 en fait, tout simplement. Ici, comme d'habitude, alors quelle flèche tape la plus forte? Celle-ci tape la plus forte. J'aurais dû faire celle-ci, mais c'est pas grave. Tac. En fait, je pensais dépasser les 10 000, mais j'avais pas du tout anticipé le fait que. Il n'y avait pas d'autre entité pour taper deux fois avec mes flèches explos, hein, mais les dégâts, je vous assure qu'ils seraient bien plus énormes que ça. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, bon, le point d'autre sert à rien, on s'en fout, on peut passer avec, mais juste avant, je vais vous montrer, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, le monstre, il reste un seul monstre qu'on va devoir debuff, pour X ou Y raison, selon les zones, ça peut arriver. Donc, on lance la debuff, double pelle en l'air. Et voilà. Ça fait sur un tour sur le putsch qui aurait 50 000 PV, lui en resterait déjà plus de 39 000. Ça fait du moins 11 000. Et encore une fois, avec une seule explosive, c'est très important parce que les explosives à 600, bah du coup, il en manque quand même 6. Il manque 6 flèches explosives à 600. Plus la flèche fulminante qui aurait tapé du 3 ou 4 000 s'il était en fin de zone, le putsch. Clairement, vous pouvez rajouter un petit 5 000 de dégâts, je pense, voire même plus. Parce que vraiment la flèche fulminante c'est un massacre. Hein. En fin de zone c'est vraiment clairement un massacre. C'est du 3 ou 4 000 sur des monstres classiques, hein, tout simplement. Donc voilà, moi c'était. Bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant je vais pouvoir abandonner parce que j'ai clairement la flemme d'aller taper le putsch. Oui, je pense, je réfléchis 30 secondes. Ah oui, non. Effectivement, j'avais juste une autre chose à vous dire. Alors. C'est pas du tout une stuff PL, une stuff PL, une team PL. Hein. Vous le voyez, c'est du full PP. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer les stats, quel idiot. C'est une team full PP. Donc, on atteint quand même les 1157 d'intelligence. Et une bonne petite de 6 PO, de souvenir, je crois. Ouais, 6 PO. Une petite base comme ça de prospection à 335. C'est franchement honnête, 335. En petit et plus avec des gros exos, etc. Enfin, des gros exos, des gros over, etc. Mais ça me suffit amplement pour le prix du stuff. C'est vraiment pas dégueulasse. Voilà tout, les amis. J'espère que cette petite vidéo qui aurait pu paraître long à certains, mais explicative pour d'autres, hein, c'était l'idée de toute façon. J'espère que ça vous aura plu pour ceux qui m'ont suivi. En tout cas, c'est vraiment un réel plaisir de vous la tourner. De toute façon, il faut que je la sorte pour pouvoir répondre à tous les commentaires. Vous savez que j'aime vous répondre, tout simplement. Mais bon, sauf que je peux pas répondre à chaque fois à tout le monde, tous les stuff, en fait. C'est juste ça. Sinon, je peux répondre à tout le monde encore pour le moment. Mais c'est au niveau des stuff, je peux pas les donner à tout le monde, sinon c'est répétitif. Et je passe mes journées, comme ça, j'aurai plus qu'un lien à mettre. La personne, elle va dessus, et clac, c'est réglé, vous avez tout en image. Voilà les amis, c'était tout pour moi, c'était Amnesia, je vous souhaite une bonne soirée, surtout n'oubliez pas le petit abonnement les frérots, ça me ferait extrêmement plaisir, je vous souhaite encore de nouveau une bonne soirée, ciao, bye!